ce mono, nous entrons donc pour la suite de Final Fantasy Tactics Advance. La dernière fois, nous serions été, après avoir eu l'arme cheatée, la lame matéria, qui va me permettre de rendre mes Numu, pas mes Numu, mais mon Mog, ainsi que mes Vanguard surpuissants, une attaque. Et j'avais deux quêtes en cours, je sais plus où, mais j'en avais deux. Ah ouais, d'accord. Frédéric Gisba, Forêt Zedley, ok. Non, tu vois, je vais aller regarder, c'est pas pour prendre le airship, non, 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 bah non, 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 c'est juste pour le plaisir de vous voir, madame, au comptoir. Bon, apparemment, j'ai refait d'autres recherches pour Chocobo Jaune, c'est que la forêt de Targ au mois d'Emerald. Si je suis d'autres sources, d'autres sites, hein. En gros, j'ai le temps d'attendre. Avant de revoir un chocobo jaune. Un fourmillon? Il y en a qu'un seul? Il va y avoir du viol. Ah non. Il y a plein de mon monstre. C'est l'heure de faire mal. Ah, je dois pas tuer le fourmillon blanc. Ok, j'ai pas le droit à la foudre. Ok, ok, ça marche. Ah bah déjà, on prend la harpie. Hein. Déjà. Le problème, c'est que j'ai pas le droit à la foudre. Il me faut au moins un mec comme ça pour donner de la magie. Ah, j'ai Jessica. Bon, bah voilà. J'ai pas le droit de faire rose de PA? Mais... ce rayon blanc est pratiquement invisible sur la neige. J'ai entendu parler de fourmillons blancs qui se cachent dans la neige pour surprendre leur proie. Mais nous, on ne les attaquera pas par surprise, nous traînerons l'eau et capturons les autres. Oh, elles ont une bonne capacité de saut. C'est vrai que j'adore les assassins pour leur capacité de saut. Ok, t'as paraflèche, donc on laisse tomber. J'ai peut-être oublié de leur changer leur capacité. Allez, concentration, ça va être marrant. Et en plus, je l'ai confus. Mmh.
Oh, il va taper son allié. C'est gentil. Gros main, c'est censé m'enlever les états bénéfiques. Le mec, il vient juste d'enlever miroir à son allié. Ouais, du génie. Ah ouais, du génie, oui, c'est du génie à ce stade. Génie très con, mais ça reste du génie. Pourquoi chercher à frapper avec de la foudre alors que je suis bon? Ah oui, toi tu fais chier par contre. Ça fait mal! La meuf vient de foutre 1000 F de mes personnages en une attaque. J'aime pas. T'es foutu. Lamia. Ah, je peux faire une double attaque. C'est bon. Désolé pour toi, mais comme t'as bientôt joué. L'autre il est confus, donc on va le laisser dans sa confusion. Oh, quasiment un one shot. Par ça, je prends pas des techniques genre cyclone. En même temps, là où je l'avais mis, je m'attendais à ce qu'elle prenne un peu cher. Hein. Le mec qui m'a pas encore bouffé, qui essaie déjà de me digérer. J'ai fait les étapes à l'envers, mon gars. Faut déjà manger la personne avant d'utiliser des sous-digestifs, mais bon. Qui va-t-il frapper? Pourquoi je l'ai pas tué? Pour cette raison. J'aurais pu le tuer à coup de Kaima Itachi, mais bon. Il fait tellement de boulot à ma place en tapant ses alliés. Je crois qu'elle va pas vivre longtemps. Hein. Si vous voulez me tuer, je m'en fous, je la ressuscite au tour d'après. Hein. Ça va être à ma vieille à jouer. Achevez-la. Achevez ma petite... Oui, achève-la. Oui, fais-le. Bon, déjà, tu t'auto-achèves, toi. Repose en paix. Voilà. Ah, le bruit qu'elles font, les lamias, quand elles crèvent. Ah bah non, fallait me l'achever. Elle est en PLS. Ah, je l'ai rien compris, quoi. J'ai un mob livré livré sur glace et eux. L'eau pose F. Coup critique. Au moins dans le jeu, la matérielle elle a une certaine puissance d'attaque. Hein, hein. Pas comme dans certains Final Fantasy 1 hein. Tactic Advance 1 hein.
Ou les armes qui permettent d'apprendre les attaques ultimes ont pas de puissance d'attaque, elles sont toutes inférieures à 20 leur puissance d'attaque. Qui est assez compliqué quand même. Non, là je m'amuse. Là je le one shot. Sauf si l'aléatoire fait taper vraiment plus bas. Toi, tu vas prendre cher. Oh oui. Bah, je fais plus de dégâts qu'il a point de vie. Alain. Occupons-nous du fourmillon maintenant. Et si tu m'avais demandé, je l'aurais miné moi-même. Waouh, tellement d'XP gagné dans cette quête. Le 2 d'XP du LOL. Ah, l'élu. Ah bah tiens, ça c'est pour faire la suite de la quête pour qu'elle apprenne le job de l'élu. Ah bah ça c'était pas prévu, mais on va le faire. Hein. Est-ce que c'est vraiment le Len Art de FFTA1? C'est rare de voir autant d'étoiles. Ça te dirait une petite pause? Pourquoi tu soupires, on n'a plus le droit de se reposer maintenant? T'énerve pas, c'est ces étoiles me rappellent quelque chose. Comment retrouver un inconnu dans ce vaste monde? J'espérais tomber sur lui par hasard au cours d'une mission, mais quelles sont mes chances, hein? Tu parles de Lennart, le gars qui est censé tout savoir sur les élus? C'est un ami de Lazarfort. Appris, mais c'est pas très clair. Je sais seulement qu'ils se sont rencontrés il y a très longtemps. Maintenant, à quoi il ressemble? Les copains des Afors ne sont pas forcément normaux. À mon avis, Lennart et les Afors n'ont rien à voir. Les Afors, que de souvenirs contenus dans un simple nom. Il vit toujours après tout ce temps? Ah non, c'est pas le Lennart de FFTA 1. C'est pas du tout la même gueule, hein. Ah non, c'est pas le même style d'habit. C'est vous Lennart? Lui, tu plaisantes, t'as vu son âge, un gars aussi jeune peut pas être le vieux pote de les Afors. Si cet homme est spécial, j'ai raison, non? Ça me semble pas t'étonner. Et que moi non plus, je ne suis pas une fille ordinaire. Vraiment? Tu sais t'en savoir plus sur tes instincts, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on a le pouvoir des élus? Je sais presque rien de la force, j'aimerais la comprendre. Alors tu comprendras, viens avec moi dans ma camionnette. Tu n'es pas un élu. Ta place n'est pas parmi nous. Va en bouffer pour en devenir un. Oh là là, désolé, je suis obligé de faire des blagues de merde là-dessus. Merci d'être venu, ne t'inquiète pas. Vas-y, rentre sans moi. Tu rigoles, tu crois que tu sais de dire ciao pour que je fuis le ventre à terre? Si tu veux pas que je t'accompagne, j'attendrai ici jusqu'à ce que tu reviennes. Ben, tu voudras tout à l'heure alors. J'essaierai de faire vite. On y va? Et la Team Rocket... La Team Rocket en... Oh! Oh, cette musique! Le magasin des ailes barbier! Ou l'intro de FFTA 1, quand on est en train de lire le livre aussi. Oh! Oh, la nostalgie de FFTA 1. Et maintenant? Je vais tester tes pouvoirs. Je veux savoir si tu es digne de l'instinct qui sommeille en toi. Laisse-moi prouver ma valeur. Oh, quoi, il y a des musiques de FFT1, désolé. Interdit de vider une action à distance. Ok, pas de problème.
À hausse de PA. Ah, la musique de FFT1, quand même. Je préfère quand même aussi de FFT1 à FFT2, hein. Elle est plus mémorable. Le mec, je vais lui rouler dessus. Le mec qui est niveau 22, je suis niveau 39. Là, t'es petite là. Encore, il m'a fait un peu de 50. Les dégâts. Fiol. Ça suffit, l'examen est terminé. Je t'ai fiol. Ah, la mission était rapide. Ah, c'était des PA gratuits, ça. Waouh, tellement d'XP. Ah, oh, j'ai gagné une poêle à frire. L'arme la plus puissante du jeu. Je m'éclate. Quoi, déjà fini? C'est un autre test, faisons-le tout de suite. Faudrait pas que je fasse pas sortir mon garde-corps, hein. Tu crois qu'il t'attend toujours? L'aube est presque là. Il sera là, je sais, je le connais. Oui, je vois. Une chose m'intéresse, pourquoi avoir choisi la solitude? Il y a sûrement des gens qui vous apprécient, qui aimeraient vivre à vos côtés, non? C'est justement pour ça, je veux avancer seul. Je ne comprends pas. Je ne supporte plus l'idée de perdre un de mes proches. Regarde-moi, je suis unique, le passage du temps n'a aucun effet sur moi. Certains ne peuvent accepter cette bizarrerie. Ils me quittent et je ne m'en porte pas plus mal. Mais c'est pire avec ceux qui restent, je dois obligatoirement les voir vieillir et mourir. Oh, bien sûr, je peux me faire de nouveaux amis pour remplacer ceux qui ont disparu, mais je n'ai plus la force de revivre encore et encore cette terrible séparation. C'est pour cela que j'ai décidé de rester seul, pour toujours. Un choix difficile. Je ne sais pas si j'aurai jamais ce courage. Tu es une jeune femme étonnante. Je sais, merci. Très bien, je vais donc te révéler tes instincts. Oh, moi j'ai trouvé le titre de l'épisode, hein. Je me sens bizarre, c'est comme si on inscrivait quelque chose en moi. C'est donc que ça marche. Non, ça fonctionne, ça pas de patte. La différence reste un mur entre nous et le reste du monde. Une barrière qui complique et rend douloureux tout essai de communication avec autrui. Dans tous les cas, tu souffriras. Toi de choisir de subir cette épreuve seul ou accompagné. Et la route que tu as choisie, avance avec fierté. J'essaierai, merci pour tout. Voilà, maintenant, retourne dans ton monde. Ah, j'ai de la chance, les missions m'ont conduit à débloquer le job élu. Personnellement, à la place de Boléro, j'aurais dormi. Ben voilà! J'en peux plus. J'en peux plus, et moi alors, tu sais combien de temps j'ai attendu? Un combat à mort, et c'est tout ce que tu trouves à dire? Ouais, alors tu l'as violé en 2 tours. Ouais, combat à mort, t'as pris 42 dégâts sur 230 points de vie. C'est pas moi qui t'ai demandé d'attendre. Je dis pas que tu voulais que je rentre, je te croirais pas. T'avais pas plus envie que moi d'abandonner un ami. J'ai entendu notre conversation? Pardon? Laisse tomber, j'ai rien dit. Allez en route, je meurs de faim. Faut que j'avale un truc nourrissant, des brochettes de brochet, tiens. Maintenant que tu en parles, moi aussi je suis affamé. Des brochettes de brochet, c'est un peu redondant, c'est comme une corne de licorne, hein. C'est redondant. Pourquoi tu fais cette tête? T'as l'air très fier de toi. Hein, quelle tête? Juste content de rentrer. Tu parles, tu nous as entendu, c'est ça? Bah c'est vrai, tout d'un coup comme ça j'ai capté vos voix sans un coup de Lennart. Quoi? Mais pourquoi tu fais ça? Comme si j'avais pas assez de problèmes avec vous tous. Tu peux dire ce que tu veux, je sais très bien que le clan est très important pour toi. Ça suffit, Boléro. Je te conseille de taire si tu veux pas finir embroché sur une brochette de brochet.
Ça fait beaucoup de brochets quand même. La cellule disponible. Yes! Voilà. Être à DAP sur une mission même pas prévue. Ah oui, je voulais le mettre en maître. Ah, mon taux de Galmia, c'est intéressant quand même. 5 d'attaque. Non mais ça m'énerve en fait. Ça m'énerve juste le fait qu'il se téléporte. Atterri, je peux pas utiliser, mais l'arme du dragon, ça je peux. Je vais devoir peut-être acheter des armes. Bon, vu que c'est une forêt, il sera vert ce coup-ci. Oh, un chocobo! Un chocobo jaune! Oh mon dieu! Oh, oh la chance! C'est l'épisode de la luck aujourd'hui! C'est l'épisode de la luck! Je débloque votre classe élue car je savais pas du tout comment la débloquer. J'attendais en fait une mission spéciale. Et là je trouve un putain de chocobo blanc. Allez. Ah, je suis content, j'ai mon mug et j'ai mon chocobo enfin. Bon, je vais prendre qui? J'ai beaucoup de mages pour pas beaucoup de... J'ai beaucoup de mages pour pas beaucoup de... personnes qui... Aux EPA, bien sûr. Eh, hey, merde! Bon, Aux de chance. Le forêt bleu sur la berge, c'est celui qu'on recherche. Clac, clac, clac. Débarrassons d'abord des autres monstres et les fourrions bleus ne devraient pas poser de problème. Alors mon but c'est d'épuiser le putain de chocobo rapidement et sereinement. Mais non putain. Faut les fermer. Pas l'utiliser par la flèche ces connards hein. Thank you.
Ah, en priorité le sage, c'est celui qui fait le plus de dégâts. Moi. On va laisser l'ennemi se rapprocher. Ouah, j'ai mal. 15 de dégâts. Oh, j'ai mal. Bon, peut-être parce que j'étais en mode garde. Ah oui, toi, t'es vulnérable à beaucoup d'éléments. Si j'attaque avec mon sage, je crois que tu risques de mourir très rapidement. Non, mon sage, lui, il va attaquer la grosse bébête là. Et sensiblement, bien sûr. Pourquoi croyez-vous que j'ai pris mon sage? Ouh, one shot! Allez, le monstre costaud, one shoté! C'est pété, sage! C'est juste pété! T'es encore plus pété que dans FFTA1. Avec Boost MM, c'est tellement plus pété. Heureusement que j'ai ma classe avec mes vangas. Là, j'ai du mal à retrouver le nom. Les vangas qui permet de donner 60 MP direct. Ça, c'est la classe pété. Hein? 60 MP direct en entour. Il faut ça sur une classe de magicien, c'est cheaté. Ah, problème. Dans 44, ça passe. Ah, on fait un peu de dégâts à son propre allié, mais ça passe. Il touche tout le monde. En plus, je l'ai mis en danger. Maginoire et Foudrix. Non, j'aime pas des magies puissantes, c'est faux. Invocation Ifrit. Montez son chocobo. Fusion. Allez, on se pète. Ah, j'ai de la chance que j'ai trouvé un chocobo sur une mission. Ah, la luck que j'ai eue. Comment te dire ça? Tu es... potentiellement vachement mort. Hein, le fourmillon. Les mecs, ils peuvent rien faire. En plus, boost MP, ça... ça booste aussi ma précision, donc il peut quasiment jamais se louper. Ouah, j'ai récupéré un, putain. Et voilà, opération fourmillon quasi terminée. Ah, tiens, il y a un level up. Ah là, je suis content, là, en fait. Je suis... Ah, je suis content d'avoir récupéré un chocobo jaune. Non. Rick Gizba. Prairie de Gizba, ok, les deux sont à la prairie de Gizba. Auberge. Je vais merci où qu'on va prendre l'émission. Le mec, il a en train de boire. Il lise des annonces. Jaune, mais pas canari. Oui, enfin.
Enfin, j'ai fait la première partie de sa quête. Bon, bah, on va faire dans l'ordre. Bon, c'est celui-là qui sera vert. Vert, ouais, c'est pas très beau. Elle a mon feu. Ouais, j'utilise elle a mon vent, donc je m'en bats un peu les couilles. Bon, là, j'ai pas envie de faire le tri. Voilà, j'ai mis plein de gens avec l'élément vent. Bah, OZPA. Formion vert, c'est celui-là qu'on doit attraper. Clac, clac. Le formion rouge protège le vert. Débarrassons-nous d'abord de cela. En même temps, pour faire la quête, j'ai pas trop le choix. Ah non, là, je suis content, là, avoir trouvé mon petit. Mon tout petit, 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 petit. C'est vrai que je suis paladin maintenant. Les mecs qui demandent sérieusement. Bon, je vous dis, Maître Chocobo, c'est pas une classe que je garderai, hein. Tu vois les mugs, je préfère largement. Ah, petit point de vie. T'as de la chance, les mains. Attends. Voilà, on va pas utiliser un peu de magie, or qu'on peut juste faire ça, gratuitement. Ah là, je suis content, mon chocobo jaune que j'ai perdu, je l'ai récupéré juste à temps pour faire la mission. Mucus. Tu sais que tu vas prendre cher avec les armes sacrées que j'ai là sur moi. Mouais. Je pensais que t'aurais pris plus cher que ça. Bon, apparemment les armes sacrées c'est pas aussi cheaté que dans FFTA 1. Non mais le tue pas. Mec, faut qu'il reste en vie. Si tu commences à taper le mec que je dois garder en vie, ça va pas le faire. Invocation Shiva, parce que j'aime bien la glace.
Moi, je tape sur les éléments avec... Ah ouais, quand j'ai balancé ma tornade, l'encodage qui était à 5000 kilobits par seconde est passé à 10 000. Et, ah ouais, quand même. Oh, j'ai pas besoin d'utiliser un Foudrix, mais juste pour le plaisir de l'animation, voyons. Voilà. Et voilà, on aura plus de problème pour capturer les fourmis en verre maintenant. Cette quête qui rapporte pas d'XP. On en parle ou on en parle pas? T'as un pseudo, les sauts élémentaires, ça me rappelle un autre truc. Ah. Oh, et Kagero. Ouais. J'ai tout appris, je crois. Non. Je suis en train d'apprendre le Oi Kagero. Pour l'instant, je suis un peu en mode YOLO. Hein. Là, le cycle, je compte pas l'utiliser après, donc. Ah, là va me falloir du mage. Prenez ces ingrédients de la commande. Ah, ça faisait longtemps. Ah. Bon, c'est des armes sacrées, donc Osef. Lui, bah, hein, Osef, armes sacrées, machin. Pas t'es une archère. Toi, faut pas que je te mette sur cette map, tu vas prendre cher. Toi, tu sers à rien, toi, tu sers à rien. Bon, bah... On va y aller par défaut. Hein. Il y en a de toutes les couleurs, vérifions l'annonce. Gelée jaune, crépitante, un tiers par personne, pour 9 personnes. Donc m'en faut 3 jaunes. Très bien cela. Vous savez comment ça se passe, au moins c'est agréable, je délivre à la guilde. Prenez-moi que vous aurez réuni à côté de créatures réclamées. Bon, il me faut 3 jaunes. Et j'ai le droit d'exterminer tous les autres. Passage. Mais je dois pas en tuer plus de 3. C'est là tout le problème de l'équation. Bon, ça va, ça se vit à la civile. Oh bah non, j'ai un tireur. Attends, c'est... Non, c'est pas un tireur. J'ai dit, ah bah c'est bon, j'ai un tireur pour... Mais non. Et c'est pas un tireur. Ah, un jaune, ça tombe bien. Eh bah elle dirait, elle s'envole vers le jaune, hein, littéralement. Non. Chasse, Naja, hop, hop, hop. Ah, le one-shot pas encore.
Bon, en même temps, c'est un flanc. Au moins, les flancs de ce jeu sont moins résistants que les flancs du 1. Hein. Les flancs du 1, je les aimais pas. Envie d'en priorité les jaunes, hein. Envie d'en priorité les chinois, lol. Désolé, j'étais obligé de faire cette blague raciste. J'étais obligé. Fallait au moins que j'en fasse une de blague raciste de temps en temps. Septième sens, contre riposte. Désolé, j'ai jamais utilisé la classe maître, donc je découvre, on va dire, les compétences de ce qu'elles font. Vas-y mollo, mec, hein, s'il te plaît, vas-y mollo. Ouais, en gros, tu vas me faire plus de dégâts de type feu sur lui, apparemment. T'étais pas obligé de vomir sur mon écran. Je dois le nettoyer maintenant. À la place de ce flanc jaune, j'aurais fait un truc qui s'appelle utiliser la foudre sur moi-même et sur l'ennemi. Vu où je l'ai mis, je m'attendais à ce qu'elle prenne cher, hein. Je l'ai mis directement en plein milieu de la zone ennemie. Vas-y, va en plein milieu, va te faire défoncer la gueule. Oui, et t'attaquer la meilleure unité que tu peux attaquer. Celle qui a deux lames. Donc deux fois plus de dégâts. Je vous viole. Il y a tant de deux qui fait quand même 78, hein. Bon, je suis plus mal en attaque normale, mais bon. J'ai hâte de voir combien fait ici des lames. Bon, maintenant ça s'appelle sainte lame, mais... par rapport à la gravité, machin, je doute que mon arc y touche, là. Si ça touche, miracle. Oh, bah si, ça a touché. Bah, en fait, j'ai plus de cible, là, en fait. Pour l'instant, on fait avec ce qu'on a en attendant qu'un nouveau jaune apparaisse. Hein. Ah, mon génocide, hein, hein. Elle, c'est l'unité spécialement anti-monstre. Hein. Elle a que des classes comme ça de cheatée en plus. J'ai même pas encore la classe la plus cheatée qu'elle peut avoir. Bon, bah, on va attendre. Hein, Nous demandons à un flanc jaune à l'accueil. Nous demandons à un flanc jaune à l'accueil. Il serait prié de se présenter assez rapidement. Mais vraiment. Aïe. Les flancs jaunes, ça n'existe pas ou... Non, ça c'est un flanc bleu, ça. Faut que je vous apprenne les couleurs. Bon, bah, j'ai génocidé tout le monde. Parce que j'ai rien d'autre à foutre, là. Ah, vous l'aurez voulu. Vous voulez pas me foutre de flanc jaune? Eh ben, je vous génocide tous. Ça vous apprendra. Nah. T'es un enculé, t'es trop loin. T'as pas le droit de faire ça. Ah parce que ça utilise des MP, c'est considéré comme une technique magique. Mais c'est pute. Mais c'était pas une magie. Ok, donc esquive magique, te fait esquiver tout truc qui utilise des MP. Ouais, d'accord.
pas trop d'accord avec le principe, mais on va dire quand même, d'accord. Le bruit que ça fait. Jaune, 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 yes! Tintin. Ouais, alors, d'accord, Paladin, c'est de la merde, hein. Voilà, hein. Ok, je sais que Paladin, maintenant, ça vaut que dalle. Ok, on peut se barrer de cette classe. Les techniques de Paladin sont merdiques. On va encore les foutre en Ronin avec les techniques... Attends, comment c'est déjà... Comment c'est le job là, de combattant là, avec l'armure grise là? Ouais bah combattant, on va appeler ça combattant hein. Gnonisis, tu es mort. Ah dommage, elle a ruban, protégée de toute altération d'état. Retente ta chance un autre jour. En moins, j'ai pu deviner que dans cette version, bah... T'es pourri, Paladin. Si des lames, c'est plus aussi puissant que ça. Bah, j'ai rien d'autre à foutre. Bon, la vidéo là sera un peu plus longue. Ah bon, il a pas fait des dégâts. Eh merde. Non, ça me tente même pas. Je suis à rien de déplacer. Attends gentiment mon tour. Lui il se régène. Tout en faisant des dégâts. Celui-là il est moins con. Non, surtout qu'avec avec eux je peux taper sur le vent, le feu et la glace. Et plutôt pratique. Bon, les paladins ont une bonne technique de saut. Où que tu sois, tu mouriras. Je sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais au cours de mes nombreuses années d'expérience, j'ai acquis des techniques très particulières. Qui me permettront de vous tuer. Ah, le mec il se balance braguer, il se loupe. Ah merde, je peux pas faire riposte, il aurait été tellement mort. Mais je m'en fous, il est mort. De toute manière, là j'arrive, Naja, poum, dans le dos, poum, t'es mort. Un tiers par personne pour 9 personnes, oui, donc ça fait bien 3. Nyon. Allez, repose une piste, gamin. Dans Dark Realm, tu vois, hein. J'obtiens sur un flanc un des minerais les plus rares, mais au calme, sur un flanc surtout.
À mon avis, je crois qu'il allait dans une mine récemment, le flanc. Allez, un coup critique qu'il puisse tomber. Est-ce que c'est possible de tomber sur un allié? Voilà, je un jour si tu veux pousser quelqu'un, s'il y a déjà quelqu'un en dessous. M'en fous, dès que je peux lui parler, la quête est finie. Faudra pas pu me donner le petit point de dégâts supplémentaire qui manquait, non? Alors, vous en êtes, remettre les créatures chassées. Je pense que oui. Très bien, je la ramène à la guilde. Cette recette ne m'intéresse pas trop. Je suis pas un amateur de dessert, mais je suppose que je devrais pas dire ça en tant qu'apprenti-goûteur. Je dirais que ce n'est pas pire que ce que vous avez demandé les fois précédentes. J'avoue, des lianes de mormol. Voilà quoi. Mais pas, on va dire, la créature la plus ragoûtante au monde. Oh, un level up. Ouh, deux level up. Ouh. Et encore une poêle à frire. Alors, je vais dégager la classe paladin parce que paladin, c'est de la merde. Hein? 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 Voilà, hein? On a bien vu que paladin, c'était de la merde. Et donc, on va le foutre en Ronin, parce que Ronin, c'est la classe, c'est... Voilà, quoi. Mais parce qu'il y a armure de ténèbres. Quarante-six, la Kidush. La Kiku Ishimonui. Personnellement, projection de choses. Projection parce que ça peut être marrant. Parce que projection, ça peut être marrant. Vous voyez ce que je veux dire, pas marrant. Genre pousser un ennemi en haut d'une falaise et qui crève comme une merde par les dégâts de chute. Genre. Jaune, mais pas canari. Il a rapporté un chocobo jaune à Ayu. Je pensais pas te revoir si rapidement. Et pourtant, je suis là, Kupo, et je dois dire que ça a été une sacrée aventure. Je ne compte plus le nombre de coups de bec que j'ai reçus. En tout cas, tu as trouvé un splendide chocobo. Cet oiseau a l'air d'avoir du caractère. Je lui connais un peu en oiseau sauvage, mais celui-ci est prometteur. Le chocobo n'est pas très difficile, alors ça doit être lui, hein. Mon chocobo, j'ai tant de mal à récupérer. Après ça, c'était une quête FedEx, hein. Un peu plus chiante que les autres, mais c'était une quête FedEx. Je vais juste confirmer quelle est la couleur du prochain... Perdu dans les glaces, ta gueule. Oups. Noir, c'est noir. Un chocobo noir. Chocobo noir, ou mon groupe au moins de mauvaise. Ganner. Ou gros galère, moi d'émeral. Bon. Je suis aucun des deux. Je voulais juste savoir c'était quoi la prochaine couleur. Après les Chinois, on a les blagues. Bon, on va arrêter les blagues racistes. Allez hop. On va faire un peu de synthèse et on va acheter des armes de maître. Hein. Lourde masse, lame de maître. Oh, lourde masse. On va peut-être prendre des trucs très intéressants pour. Mon humour.
Oh! Ça, c'est le truc qui permet d'apprendre à Tonium. On en parle ou on n'en parle pas? Ah, non. Ah. La déception se lit sur mon visage si j'avais mis une cam. Je comprends pas, il y a que le Sephiroth Force et la dame en cam. Il y a un problème là. Ah non, à moins que... j'ai un problème là. J'ai un truc de rang C ou j'ai un truc de rang A. Je peux rien faire. Ok, ce truc se fout de ma gueule. Quoi, pour une Nosada? Ouais, j'ai pas envie de gâcher. Pas envie de gâcher. Non. Ah, c'est. Mais non, je peux faire un équipement de rang B. Ah, bouclier flamme. J'ai envie de te dire que je m'en bats un peu les couilles. Ah, ça, tu vois, tout de suite, c'est plus intéressant, ça. Feu 3. Ah là. Ah là. Ah, épée légendaire. J'aime ce nom. Un ange déçu. Ouais, ça sert à rien d'en faire une de plus. Murakumo. Ouais. Bah sûrement déjà en avoir celle-là. Non. Ah, bâton fissuré. Déjà ça. Si ça prend du type feu, il y a peut-être moyen que ce soit. Ah non, bâton fissuré. Carnet de staff. Carnbunk, tiens. Ouais, mais en carbunk, on s'en fout un peu pour la classe invocateur. Hein. Arme sanctifiée. Oh! Résurex? Guérison sage. Guérison, ça c'est intéressant ça. J'ai pas mal de trucs intéressants à acheter. Alors déjà, bâton, hein. Où est mon... maintenant, où sont le bâton?
laboratoire de purification. Ariolite. Ah, c'est Ariolite, d'accord. En gros, Ariolite, c'est le sort metteur. Ah si, en fait, c'est intéressant quand même. C'est quand même intéressant. Donc sur ce, mes petites pattes, bonjour, on se regarder, on se donne rendez-vous lors du prochain épisode, donc sur ce, salut, salut.